le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va et comme d'habitude, je suis très contente de vous revenir avec des nouvelles vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée très simple, d'une idée de business très simple que je viens à peine de découvrir. Au fait, je viens de découvrir le concept et je voulais partager ça avec vous. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, mon nom est Malaika. Je suis entrepreneur, j'aime le business. Sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience, des astuces, des informations qui peuvent vous aider à commencer votre business ou carrément à améliorer le business que vous avez déjà. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui cadre avec ce que vous recherchez sur YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner et aussi à partager la vidéo avec vos proches et vos amis. Là, je viens, au fait, je reviens de chez la photographe. J'étais allée faire les photos de mon bébé pour ses 6 mois. Alors, arrivée là-bas, j'ai déjà travaillé avec elle avant, à la naissance, mais j'avais négligé au fait de faire la vidéo ou bien d'y penser. Et cette fois-ci, quand je suis repartie pour les 6 mois, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment une idée en or. Et rassurez-vous de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je veux vraiment me rassurer que je puisse insérer au fait la vidéo. Vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, c'est une idée de photographe. Photographe pour enfants, donc de 0 à 5 ans. Je vous explique le concept. Cette femme, elle a un studio photo pour enfants. Ce studio-là, c'est un appartement, donc elle a un espace qu'elle utilise, elle fait des photos avec différents concepts. Guys, cette femme charge pour 2 heures maximum 50 $. Et parfois, on est 6 par jour. Donc, tu viens, il faut respecter ton heure de rendez-vous pour faire les photos de ton enfant. Comprenez un peu. Donc, ce qu'elle fait, c'est quoi? Elle a des concepts. Je vais vous mettre des photos, une photo là ou là. Elle a différents concepts. Elle a des concepts aérospace, concepts cuisine, concepts musicien, concepts Harry Potter. Elle a différents concepts. Et guys, vous savez ce qu'elle fait? Elle imprime des photos. Donc, concept, par exemple, Harry Potter, elle imprime des photos. C'est des tissus où elle imprime dessus et elle met ça en background. Et ensuite, elle travaille la présentation devant ce concept-là. Et c'est comme ça que cette femme fait des photos. Je me suis rassurée de faire des vidéos pour vous. Je vais vous montrer ça. Alors, elle fait différents concepts. Elle fait les concepts. En tout cas, pour tout. Pour les princesses, la belle au bois dormant. Tout ce qui est tendance au fait pour les enfants, elle a ces concepts-là. Et ces concepts-là, c'est des impressions sur des tissus. Si vous êtes photographe, par exemple, vous pouvez imprimer sur des tissus, faire ces concepts-là et faire des photos. Et guys, le résultat, le rendu de ces photos est inexplicable, c'est très beau, c'est très bien fait et on continue à rentrer là-bas. Vous comprenez? Et ses clients rentrent, donc elle a toujours des clients chaque jour. Les gens reviennent pour 5 mois, pour 3 mois, pour une année, pour 2 ans. Guys, elle fait un travail exceptionnel. Et je sais qu'il y a beaucoup de photographes là-dehors qui sont déjà dans la photographie. Et si par exemple vous êtes déjà dans la photographie, vous pouvez ajouter ce concept. Par exemple, tout ce qui est Peppa Pig, tout ce qui est Cocomelon, tout ce qui est intéressant. Donc tout ce que les enfants aiment. Vous faites ce genre de décoration, ce genre de concept. Comme ça, quand vos clients viennent, les clients vont revenir, ils vont continuer à revenir. Je vois beaucoup de photos faites en Afrique. C'est très beau, c'est très bien fait. Mais moi, je pense que parfois, il manque de concept. Vous comprenez un peu. Et c'est ce que j'allais vous proposer. Et aussi, comment je peux expliquer au fait, une autre chose aussi, un plus que cette femme-là a, elle a toutes les tenues. À chaque fois que je vais que je vais chez elle faire des photos, je n'emmène rien. J'emmène mon enfant tel qu'il est. Et on arrive là-bas, elle a toutes les tenues. Je prends un exemple. Si on doit faire un concept Cocomelon, il y a des habits de Cocomelon. Si on doit faire un concept safari, par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai fait safari et quoi? Ok, safari et marin. Donc, genre, comme des marins. Il y avait les habits. Donc, je vais vous mettre les photos pour que vous puissiez comprendre au fait à quoi je parle. Donc, elle a même les costumes. Donc, quand l'enfant fait la photo, par exemple, genre dans l'espace, comme un astronaute, elle a les tenues d'astronaute. Quand, par exemple, moi j'ai fait aujourd'hui pour un safari, donc comme dans la jungle et tout, elle a ses jouets, elle a des voitures de jungle, elle a les tenues, donc la petite salopette. Donc, c'est très bien fait et c'est un très bon concept. Je pense que je vais vous mettre la vidéo, vous allez voir de quoi je parle, à quoi je pense et j'espère que quelqu'un va prendre note. Et si, même si vous n'êtes pas un photographe,
Est-ce que vous savez que vous pouvez ouvrir un studio photo uniquement pour enfants avec ce genre de choses? Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Deux lumières, trois lumières, ça vous suffit. Un bon appareil photo, un bon investissement pour un appareil photo, c'est tout. Un bon photographe. Et vous avez vos concepts. Vous allez juste gérer le concept et la décoration. Et vous avez un photographe pour faire les photos et éditer les photos, c'est tout. Et guys, je vous assure que vous pouvez. Donc, je vous dis que de chez moi jusque chez elle, c'est 30 minutes en taxi sans embouteillage. Ça veut dire que c'est loin. Vous comprenez? Mais à cause du travail qu'elle fait, on y va. On va là-bas et on a les photos que nous voulons. Et nous sommes contents. Tout le monde est content. Tout le monde, yeah, on aime ce qu'on fait, ce qu'on trouve chez elle. Donc, regardez un peu comment est-ce qu'elle fonctionne. Elle est photographe de bébé seulement. Regardez comment elle fait ses concepts. C'est vraiment simple. C'est très beau. On est venu, enfin, c'était une très bonne idée de business. Imaginez si vous êtes photographe et que vous pouvez reproduire ça. Donc, c'est juste des accessoires. Regardez ce qu'on a fait. C'est très joli. Et on en a plusieurs. Regardez les différents concepts qu'elle a là. Ça, c'est les concepts. Il y a différentes images qu'elle met juste là derrière comme background. Et puis, elle produit ça. Et elle fournit même les habits, les accessoires des enfants. Donc, quand vous voulez faire un photo shoot, regardez un peu comment est-ce qu'elle fait. C'est vraiment, vraiment joli. Si vous arrêtez à Istanbul, arrêtez-vous ici pour faire des photos parce qu'elle est vraiment, vraiment professionnelle. Regardez un peu les accessoires que vous pouvez aussi mettre pour votre propre studio. Moi, je suis juste amoureuse. Regardez, il y a différents concepts pour les pilotes, pour Noël. Donc, et ça, c'est les costumes. Les costumes des enfants, donc de 0 à pratiquement 3 ans, 4 ans, elle-même. Donc, quand vous venez juste avec vos enfants et elle s'occupe de tout. Je pense que si quelqu'un saisit cette idée de business, il va se faire de l'argent. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez vu la vidéo et que vous avez appris quelque chose et que vous avez noté quelque chose. C'est une idée très simple, mais qui est très rentable. Très rentable. Et cette femme, elle n'a qu'un seul appareil photo, différentes batteries, et différents linces, hein? Donc linces, comment on appelle les linces, je ne sais pas comment on appelle ça, donc c'est ça, différents linces, c'est tout. Elle a qu'un seul appareil photo, deux lumières dans son studio et puis c'est tout. Donc essayez de faire ce genre de concept, vous pouvez toujours voir comment vous allez aussi améliorer à votre sauce, à votre goût. Je vous dis un très très grand merci au fait pour votre temps. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Bye bye.